En fait, j'étais très heureux aujourd'hui de pouvoir rencontrer l'association aujourd'hui et Kassam Istanbuli et de tous les projets qui ont été effectués depuis des années ici à Tyr. Je trouve que c'est un projet fabuleux pour ceux qui l'ont porté, parce que c'est un projet d'espoir, c'est un projet qui est tourné vers l'avenir, qui s'adresse aux jeunes, des jeunes qui reconstruisent, qui repartent de zéro, qui donnent une perspective, qui se donnent les moyens de réussir et de créer un espace qui est précieux, parce que c'est un espace où tout le monde se rencontre, tout le monde s'accepte dans sa diversité, dans sa différence. On crée, on parle, on pleure, on rit, on s'écoute, on construit l'avenir à travers la culture, les arts. Et moi, je suis heureuse d'avoir visité ce lieu extraordinaire. Et en tout cas, je vais tout faire pour que la France soutienne ce projet. Et je crois que c'est important qu'on le fasse à Tyr et qu'on le fasse aussi à Tripoli, si l'association a des projets de développement. Nous étions ici aujourd'hui avec Madame l'ambassadrice de France et je pense que nous sommes tous très sensibles à toute l'activité que vous pouvez développer ici à Tyr, en plus de tous les projets que la France a pu soutenir sur la réhabilitation du souk, sur la maison des pêcheurs, etc. Et que nous sommes heureux en tout cas de pouvoir envisager peut-être des projets communs et de soutenir autant qu'on le peut ce projet culturel qui est fondamental à Tyr en ce moment. Voilà, bravo.